Bonjour, dans cette vidéo on va parler de perroquet royal, Alysterus scapularis. Le perroquet royal d'Australie, Alysterus scapularis, est une espèce de perroquet endémique de l'est de l'Australie. Trouvé dans les régions montagneuses humides et fortement boisées de la partie orientale du continent, y compris les zones boisées d'eucalyptus dans et directement adjacentes à la forêt pluviale subtropicale et tempérée. Ils se nourrissent de fruits et de graines récoltées sur les arbres ou sur le sol. Le perroquet royal australien a été décrit pour la première fois par le naturaliste allemand Martin Lichtenstein en 1818 sous le nom de Psittacus scapularis. L'espèce appartient au genre Alysterus, dont les trois membres sont également connus sous le nom de perroquets royaux. Les espèces sont parfois apparentées au genre Aprosmictus. Le perroquet royal d'Australie a été désigné comme nom officiel par l'Union internationale des ornithologues. Le plumage de la perruche royale est vert pour les parties supérieures et rouge pour les inférieures. Le croupion est bleu, les iris sont jaunes et les pattes grises. Cet oiseau mesure environ 43 cm. Le dimorphisme sexuel est prononcé. Le mâle possède une tête complètement rouge et un bec orange tandis que la femelle présente une tête et une poitrine verte ainsi qu'un bec noir. Les immatures ressemblent à la femelle à l'exception du bec. Les adultes sont nettement dimorphiques. Le mâle affiche une tête, un cou et des parties inférieures rouges écarlates. Une bande bleue plus ou moins large traverse l'arrière du cou. Le dos et les ailes sont vert foncé. Une marque allongée vert argenté est nettement visible lorsque l'oiseau est posé et que les ailes sont fermées. Le bas du dos et le croupion sont bleus. La queue est noire avec une légère nuance de bleu. La mandibule supérieure est rouge-orange avec une pointe sombre. La mandibule inférieure est noire avec un peu d'orange à la base. Les iris sont jaunes, les pattes grises. La femelle présente une tête et un dessus vert, contrastant avec le bas de la poitrine et l'abdomen qui sont d'un rouge pas aussi éclatant que celui du mâle. La marque argentée sur les couvertures alaires est moins développée et parfois même absente. Les rectrices centrales et externes sont vert foncé avec une légère pointe rose terne. Le bec est gris. Les juvéniles ressemblent à la femelle mais le rouge des parties inférieures ne remonte pas aussi haut sur la poitrine. Le bec est jaune terne, les iris bruns. Il existe une variante ou sous-espèce appelée Alysterus scapularis minor. Elle est en tout point identique à la race nominale mais elle est nettement plus petite, ses ailes étant en moyenne inférieures de 30 mm. Les adultes des deux sexes mesurent environ 43 cm de longueur, y compris la longue et large queue. Thank you.
Les perruches royales sont assez répandues dans tous les types de forêts, boisements d'eucalyptus, broussailles épaisses situées le long des cours d'eau et éventuellement savanes parsemées d'arbres. Néanmoins, elles apprécient plus particulièrement les zones boisées secondaires qui se sont bien régénérées et elles semblent moins à l'aise dans les forêts au feuillage dense. Dans un passé assez récent, elles ont colonisé avec succès les terres agricoles, les parcs urbains et les jardins. Assez couramment, elles recherchent leur nourriture dans les arbres qui bordent les rues des banlieues. À la périphérie de leur aire de distribution, les populations de perruches royales sont très clairsemées, vivant dans les lambeaux de forêts résiduelles où elles trouvent des habitats qui leur conviennent. Les perroquets royaux d'Australie s'étendent du nord et du centre du Queensland au sud de Victoria. On les voit fréquemment en petits groupes avec diverses espèces de Rosella. Plus loin de leur habitat normal des hautes terres de l'Est, on les trouve également à Canberra en hiver, dans la banlieue ouest et la rive nord de Sydney, et dans la gorge de Carnarvon dans le centre du Queensland. Les perruches royales vivent généralement en couple ou en petits groupes familiaux, mais on peut également trouver de plus grands rassemblements là où les ressources alimentaires sont abondantes. Ils peuvent s'avérer très familiers, n'hésitant pas à venir chercher la nourriture dans la main des visiteurs. Alimentation et régime alimentaire. La perruche royale possède un menu végétarien. Elle consomme les graines des eucalyptus, des acacias et des arbres du genre Angophora. Elle ingurgite aussi des fruits et des baies provenant des arbres et des buissons tels que les saules australiens, la morelle noire ou le bringélier marron. Elle aime beaucoup les pommes. Elle ne néglige pas les fleurs, le gui et le nectar. La perruche royale procède à des incursions dans les cultures, les vergers et les jardins où elle chaparde des céréales et des fruits. Dans la région de Canberra, en hiver, de larges bandes se réunissent pour se nourrir de glands dans les forêts ornementales de chênes. Les fruits et les légumes regorgent de vitamines et de minéraux essentiels pour le bien-être d'une perruche royale. Tandis que ses besoins nutritionnels sont généralement remplis grâce à un bon mélange de graines, vous devriez toujours offrir des aliments frais à vos oiseaux.
Explorer et goûter les aliments de différentes textures avec leur langue fait partie de l'expérience sensorielle de la perruche et la maintient en alerte, curieuse et heureuse. Contrairement aux enfants humains, les perruches peuvent jouer avec leur nourriture sans problème. En captivité, donnez toujours à vos perruches royales des fruits et des légumes crus, jamais cuits ni transformés de quelque façon que ce soit. Elles sont gourmandes par nature et vous rencontrerez des difficultés uniquement si vous les avez nourries pendant trop longtemps d'un régime constitué de graines. Cela peut les rendre difficiles et vous devrez retirer le plateau de graines pendant quelques heures, jusqu'à ce qu'elles aient grignoté les nouveaux aliments. Dans le pire des cas, cela ne posera problème que pour les petites cages, où les perruches auront d'abord peur des aliments qui leur sont nouvellement présentés. Les oiseaux ayant ce tempérament prendront plus de temps pour s'ajuster à de nouveaux jouets et accessoires ajoutés dans la cage. Néanmoins, malgré une première réticence devant des fruits frais introduits dans leur cage, une fois qu'ils y auront goûté, ils les adoreront, même si toutes les perruches royales sont différentes et que certaines peuvent être particulièrement difficiles. Qu'importe si des aliments ont été entamés ou laissés intacts à la fin de la journée, dans tous les cas, retirez-les de la cage. De nombreux aliments frais, surtout les fruits, sont riches en sucre, ce qui propage des bactéries comme une boîte de pétri. Les bactéries proliférant ainsi peuvent tuer les perruches royales. Légumes pour perruches royales. Les légumes devraient faire partie de l'alimentation des perruches au quotidien. Tant qu'il y a également des graines à disposition, elles arrivent généralement à équilibrer elles-mêmes leur régime. Si vous remarquez que les fientes d'oiseaux sont plus liquides, elle a sans doute un peu abusé des aliments frais. Donnez-lui-en moins pendant un jour ou deux jusqu'à ce que ses déjections reviennent à la normale. Aliments naturels pour perruches royales. En plus d'une portion quotidienne de légumes, vous pouvez donner un supplément de ces herbes courantes à votre oiseau. Souvenez-vous qu'il est interdit de ramasser des fleurs sauvages. La reproduction et nidification du perroquet royal. La perruche royale est bien connue dans les élevages même si elle n'est pas très répandue. La première reproduction a été enregistrée en 1880 en Allemagne.
La saison de nidification se déroule de septembre à janvier. Le nid est installé dans un trou de branche ou dans une cavité profonde à une grande hauteur dans la forêt, généralement 10 mètres au-dessus du sol. Pendant la parade nuptiale, les mâles de perroquet royal déplacent tête, les ailes et gonflent leurs plumes. La femelle répond avec tête wiggles et demandant de la nourriture. Le fond du nid est tapissé de sciure ou de petits copeaux de bois. La ponte comprend entre 3 et 6 œufs, en moyenne 5. La femelle couve seule pendant environ 20 jours. Les oisillons séjournent au nid pendant 5 semaines. Le mâle à proximité pour lui fournir de la nourriture. Les jeunes royales restent au nid pendant 5 semaines, après quoi, ils quittent le nid et restent avec leurs parents. Les perruches royales ont un mode de vie essentiellement arboricole, toutefois elles n'hésitent pas à venir à terre pour se désaltérer ou pour saisir des graines et des noix qui sont tombées. Elles sont généralement moins actives et moins bruyantes que la plupart des autres perroquets, les actions semblent plus lentes et plus réfléchies. Les perruches royales ont un vol direct composé de battements d'ailes amples et rythmés. Leur façon de ramener les ailes en arrière, leurs ailes pointues et leur longue queue leur donnent une silhouette en vol qui est facilement reconnaissable. Lorsqu'elles volent au-dessus de la cime des arbres, elles prennent souvent des virages très serrés en faisant basculer leur corps entièrement. Quand elles se posent, leur queue est légèrement déployée. Quand elles sont effrayées, les perruches royales jaillissent et ne se posent de nouveau que lorsqu'elles sont hors de la vue. Les perruches royales sont majoritairement sédentaires. Toutefois, dans le sud de leur aire, certains oiseaux entreprennent de courtes migrations altitudinales, délaissant les hauteurs de la cordillère pour se rapprocher des côtes en hiver. Thank you.
Merci d'avoir vu cette vidéo. À bientôt.